Bonjour, rencontre aujourd'hui avec Arnaud Guéret et Jérôme Monfray, deux pêcheurs professionnels. Ils pêchent l'anguille dans la Loire, le premier dans le secteur d'Ancenis-Oudon, le second à Chalonne-sur-Loire. Pulseo les a suivis lors d'une sortie du côté de Chalonne, justement. Alors, à la saison, on trouve de l'anguille d'Avalaison, qui est une pêche qui se pratique sur la Loire du 1er octobre au 15 février. Et c'est essentiellement le gros de notre activité en ce moment, puisque c'est aussi l'anguille qu'on utilise pour faire l'anguille fumée. Dans le reste de l'année, il y a une autre grosse saison pour nous qui est la lamproie, mais qui est plus en janvier jusqu'au mois d'avril-mai, suivant les niveaux d'eau, quoi. Donc ça fait une autre grosse saison. Après, il y a un peu d'alose, sinon il y a le mulet, bien sûr. L'anguille jaune, qui est plus l'été, quoi. Et le carnassier, sans le brochet, quoi, qui sont plus des pêches accessoires. Et l'anguille, là, la technique, c'est la pêche au guido. Donc le principe, c'est un gros bateau, je sais pas si derrière on voit, qui est ancré sur la Loire, à peu près au milieu, dans un flux d'eau important, bien dans le courant. Et derrière, donc, il y a un filet qu'on appelle le guido, en forme de cône. Et au bout de ce filet, il y a une poche, un verbeux, pour récolter les anguilles lors de leur passage. Et donc le filet va s'ouvrir avec le courant. Et puis lors du passage des anguilles, on en pêche un peu. Donc là, c'est réglementé pour l'anguille, donc ouverture 1er octobre au 15 février. Et puis vraiment, l'anguille d'Avalaison se pêche uniquement presque sur les crues, sur les pics de crues. Et donc on peut faire 3-4 crues dans la saison. Et puis donc ça représente à peu près une 3 semaines de travail, quoi, vraiment intense au niveau de l'anguille. Ça fait 10 ans, moi, grosso modo, que j'exerce sur mon activité. Donc, il y a une chute de l'anguille. Donc, il y a grosso modo, il y a une dizaine d'années, on pouvait globalement, là, il y a 7 pêcheries comme ça sur la Loire en activité. Donc, il y avait grosso modo une 35-40 tonnes d'anguilles de pêcher. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à la moitié, quoi. On est plutôt vers 20-25 tonnes. Alors, c'est multifactoriel, hein. C'est l'environnement qui a évolué dans le mauvais sens pour l'anguille. C'est la pollution, c'est l'urbanisation, c'est les zones humides qui ont disparu, etc. Il y a bien évidemment aussi la pêche. Mais bon, on est quand même sur une note d'espoir, puisque ça fait 2 ans qu'il y a beaucoup de civelles à remonter. Donc pour preuve, ils ont augmenté les quotas là, un petit peu de civelle cette année. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a quand même une recrudescence de la civelle. Donc ça veut dire que peut-être que dans quelques années, et sûrement, certainement, si le biotope permet d'accueillir ces civelles-là, qu'on retrouve une population plus intéressante. On les vend plutôt en direct, donc soit par la restauration, donc qui se consomme donc à la saison, c'est plus de la matelote ou de la grosse anguille mais tronçonnée grillée à l'ail persil. Sinon, on fait aussi donc l'anguille fumée, donc là qui s'adresse plus aux restaurateurs mais aussi aux particuliers. Donc voilà un peu nos différents débouchés, quoi. On travaille aussi, moi personnellement, je travaille aussi avec une grande surface. Oui. De toute façon, c'est un métier, je dirais, passion. Hein. Voilà. Si on enfin, se relever la nuit, être dans le froid, si on aime pas ça, je crois au bout d'un moment, on laisse tomber. Et surtout une certaine liberté de choix dans son travail, quoi. On est tributaire, notamment cette saison-là, de l'anguille, vraiment du passage de l'anguille. Mais après, on organise son temps comme bon nous semble, quoi.